Yo tout le monde, c'est Michou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo, vidéo très très attendue. On est à la villa au Maroc. On est dans une villa magnifique. Et du coup, on va en profiter pour faire le troisième épisode du cache-cache. Voilà, on va faire un cache-cache avec toute avec la team Crouton. Voilà, vas-y, je vais expliquer la suite. Du coup les gars, il y aura deux parties dans la vidéo. Première partie, ce sera dans la villa. Et une autre dans le jardin, parce que sinon c'est trop grand. Du coup Michou il comptera dans la villa. Non, c'est toi qui compte dans la villa. Ok, je compte dans la villa et toute la team Crouton va devoir se cacher. Et deuxième partie, Michou comptera dehors et toute la team Crouton va devoir se cacher dehors. Voilà, et du coup, comme d'hab quoi. Let's go. Oh là là, wow, tout le monde a des caméras, c'est incroyable, regardez-moi ça. Code créateur le bouseux. Je m'en doutais. Ok, on a 2 minutes pour se cacher. Bon bah allez, let's fucking go, c'est mardi, tout le monde va se cacher. Moi je suis mal gros. Je sais pas où je vais aller. Dans un vase. Sérieux? Attends gros, je vais monter, je vais te tenir la main là-haut si je veux. Vas-y, vas-y. On va tout niquer gros. J'ai une cachette, tu me cachais là, dans nos affaires. Faut commencer à compter. Mais je vais tous les trouver, t'inquiète, tu vas au talon. Ah, mais non, mais de toute façon, je vois, vas-y, dès que c'est 3 minutes, je te dis, ok? Vas-y. Bon, les gars, là, je crois que je vais arriver dans la chambre de Val. Le problème, c'est que les placards, c'est un peu greedy, je trouve. En plus, ils sont fermés. Putain, je sais pas où aller en vrai. Oh, je me dé. Après, je roule avec 2 minutes. En vrai, je vais aller dans le placard ou je sais pas quoi, mec. Fais-moi la coupe-échelle. Mec, je te jure que j'ai assez frère. Attends, je vais mettre ça sur le bourg. Oh gros, ouais, t'es un génie. J'ai chaud. Ouais, bah voilà. Ça va, Doc? J'ai bien caché tout le monde. Ok. Wesh, t'es marrant. Attends, faut la sauver, gros. Allez, go, trouver un truc là. Maya la belle. Oh là là, mission réussie. Je vais la mettre dans l'herbe. Nous sommes les sauveurs des animaux. T'es là. Oui. Je pense que je suis bien si je vais là. What the fuck, on voit rien. Ok, alors les gars, vous me voyez pas, vous voyez plus rien. Je suis caché dans un putain de placard et je suis derrière des cartons. Donc s'il ouvre le placard, il va pas me voir tout de suite. Let's go. Je vais prendre la couette qui est à côté. Merde, j'ai perdu mon tel. Du coup, j'ai pas réussi à monter en haut. On est dans le noir. C'est vraiment le pire caché des lieux. J'ai en dessous une couette dans un placard. C'est horrible. Et je peux largement rentrer dedans. Comment je pourrais faire? Mais bon, je suis grillé, quoi, je pense. En plus, je peux même pas fermer en entier, attendez. Oh merde, je crois que je suis enfermé, là. J'ai pris la cachette sans réfléchir. Voilà, je suis rentré dedans. Je me suis dit tout, sauf un placard. Et je vais où? Dans un placard. Une cabane. Oh, meilleur cachet au monde. Qu'est-ce que j'ai fait les gars? Est-ce que ce serait le moment où on place notre code créateur dans la vidéo? Ouais, code créateur Valouz. Code créateur de Tira Jessie. Du coup, je sais pas ce que les autres sont en train de dire de leur côté, mais je suppose qu'ils sont en train de bombarder leur code créateur, je les connais hein. Donc n'oubliez pas, code créateur Michou Croûte, ça reste le meilleur de tous les codes créateurs. Oh, et en plus je suppose que tout le monde a déjà spammé son code créateur les gars, mais code créateur de Jna, c'est le meilleur. D'ailleurs les gars, j'en profite pour vous montrer mon énorme fond d'écran. Voilà, tant que vous êtes sur la chaîne de Michou. Je crois que j'ai un autre fond d'écran, attendez. Ah ouais, c'est vraiment stylé. Bon allez, on y va, go. Allez go. Putain, on dirait un épisode de... Genre on dirait 127 heures. Jour 1, Inox ne m'a toujours pas trouvé. Je suis le premier trouvé. En plus, c'était même pas lui que j'avais entendu. T'as entendu quelqu'un parler en plus? J'ai entendu Dush. Mais non. Mais putain, Dushna. Mais attends, tu m'as vu tout de suite en ouvrant la porte ou pas? Le café. Bah non, j'ai pas fait. J'ai mis tes chaussures. Oh merde. J'ai mis tes chaussures. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui a fait ça? Non, je lui ai envoyé un message. Mais il a pas son téléphone. C'est pas grave, je vais me mettre dans la conf. On t'entend, grosse merde. Bah je te suis, hein. Déjà quelqu'un qui a été trouvé. Mais non, j'étais en train de tenir exprès avec mes doigts. T'es pas le premier trouvé gros. Déjà ma petite. Oh regarde, il est chaud. Ok, on enchaîne. Oh le con, j'ai perdu instant. Mais mec, moi je vais pas être aussi chaud que ça. Mais bon, allez. Moi je sais où est Valouz les gars. Je sais où ils sont. C'est plutôt une cachette plutôt très... Bah si tu vas par là, si tu les avais entendus. Ok, t'es mort celui qui est là.
Pourquoi y'a un placard ouvert déjà? Mort. 100%. Elle a mis un indice là quand même. Elle a mis un indice, hein. En plus ça sent déjà. Ça sent déjà alors oui, que... Oui, c'est bizarre. Ah 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 ah. Elle était trop bien cachée. Wow. Ça c'est le genre de cachette, quand t'es trouvé t'es quand même content, ouais. T'es en train de mourir. Bon bah les gars, j'ai été trouvée. J'étais cachée là du coup, mais c'était archi dur de me cacher. Là il reste Doc et Valouz, les deux meilleurs. Sachant que Valouz il m'a dit sa cachette, elle est incroyable. Tu veux que je te donne un indice? Tu vas me donner un indice, c'est trop facile. Bah ouais, mais là tu vas mettre 3 ans là. Bah t'es dans la bonne direction. Celui qui est là, il est mort. Là, il y a un gros bordel, là. Il va être là, on est là, mon gars. Il reste qui, du coup, à trouver? Doc. Mais Doc, il a gagné, là, c'est bon. Crie, Doc. Manani, manana, j'ai le muri. Il crie en bas, là. Putain, je regarde là-bas. Regarde dehors. Hein? Regarde dehors. Dehors? Bah non, ça allait dehors. Hey, ça va faire plaisir. Bâtard. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. On a le winner de la première partie, c'est Doc Jay-Z. Merci, gars. Ok, let's go les potes, deuxième game. Du coup là je vais compter dans la villa puisque tout le monde va se cacher dehors. Et je vais compter pareil, 2 minutes et c'est parti quoi. Les gars, attendez. Oh, pour le monteur, ça l'aidera peut-être. Allez, ah. Et moi j'ai une idée, je vais me mettre dans la piscine sous les bouées là-bas. Ah, mec, le penchant, tu sais faire comment? Non, je vais le caler sous le truc. Je sais. Regardez les gars, regardez. Faut laisser aucun indice. On cache les vêtements. En fait, j'ai peur de me mettre dans des arbustes et qu'il y ait des bêtes. À la limite, en dessous d'un lit, ça aurait été bien, mais j'ai peur qu'il y ait des scorpions. Bon, en fait, je suis une tapette, en fait. J'y vais bientôt, là, à 27 sur mon tel. Vas-y, tu restes comme ça jusqu'à 27. Vas-y. Oh ouais, ils sont carrément partis en dehors de la villa. Inox, il s'est mis là, putain. Regardez-le. Vas-y, je laisse mes claquettes ici, ça fait un piège. Aïe. Mais... Ah, ok, let's go. Là, on va aller les chercher, on va tous les trouver en 30 secondes. Là, entre les trucs, là, il y a quoi? Là, il y a des hautes herbes, mais ça doit piquer, je pense. Mais c'est immense, en fait. Il y a une échelle, gros. C'est ça, la deuxième villa? Ouais, c'est là. Putain, en vrai, il y a tellement de cachettes dehors, c'est tellement galère. Putain, je vois personne, c'est horrible. Putain, il y arrive, je crois. Oh, merde. Je suis un génie. Dans le bar. Non, c'est une cachette bidon, ici. Ok, y a personne. Hey, si tu vois quelqu'un, tu me dis, hein. Non. Mais quoi? Mais mec, on est ensemble. Je suis caché, je sais même pas où, en fait. J'ai l'impression que je suis dans une autre maison. Vas-y, en vrai, je pense que je vais me cacher là. Ouais, c'est tranquille. En vrai, je suis hyper cramée. Oh, il y a des lapins. Je savais même pas qu'il y avait des lapins ici. Mais attends, mais j'ai trouvé Doc Jay-Z, gros. T'es mal, il y a Doc. Mais lol, Doc Jay-Z, qu'est-ce que tu fous là? C'est pas interdit, ça. Je suis royal. Si ça se trouve, il est. Mais si ça se trouve, il y a quelqu'un pas loin qui m'entend parler, mec. C'est horrible de se dire ça. Il est juste là. Regardez. Je vais me foutre dans le hamac. Wesh gros, on est en train de faire le cache-cache. Les gars, j'étais un peu en cul. J'allais arriver, j'allais t'en cul. Tu m'as vu comment? Parce que je suis là, j'ouvre le portail et je vois des pieds. Et je regarde, j'ai cru que c'était quelqu'un qui, tu vois, qui avait sauté le truc ou... Ah, j'allais arriver, j'allais te faire une dinguerie. Ouais, donc si tu vois des personnes rôder, c'est nous. Je vais les goumer. Mais putain, y'a personne! Tous les endroits chiants, j'ai cherché, y'a personne! C'est un tag de JDUG! Mais t'es où? Je suis tout en haut! T'as le droit? C'est pas dans la villa! Regarde, il est là! En vrai, je pense qu'il a pas le droit, Doc. Tu crois qu'il y a quelqu'un qui est monté à l'échelle? Si quelqu'un l'a fait, c'est fort de fou! C'est dangereux, non? Ouais, c'est dangereux! Vas-y, j'essaye! Ça va, elle est solide! Non, y'a personne! Mais j'ai rien dit, elle est pas très solide, l'échelle, hein! Je vais derrière le tas de ping-pong! Déjà allé derrière le bar. Non putain, je sais que je t'aime Bobby, mais là tu me rends pas service. Tu me rends pas service du tout putain. Les gars, je vais me faire du Assassin's Creed. Je suis tout en haut de la villa, je suis sur le toit. Je vous jure, j'ai peur. C'est parce qu'il y a un vrai garde marocain qui ne parle pas français, je pense. J'ai peur qu'il pense que je suis un voyou. J'entends quelqu'un là. Juste là. J'entends quelqu'un marcher là. Quelqu'un.
Ah le bâtard, mais c'est à moi de te trouver, c'est pas à toi. Mais en fait, en gros, j'étais un merde. J'étais là. C'est vrai. Et Saïd, il croyait que j'étais un mec qui voulait s'accrocher en ville, il voulait me défoncer. Mais non, je te jure, c'est vrai. Saïd, les gars, c'est notre garde du corps pour ceux qui savent pas. Ok, on a notre premier trouvé, c'est Balou. C'est le premier trouvé, mec, c'est trop dur. C'est trop dur. Moi, selon vous, vous faites quoi dans la vie? Moi, perso. Valou, il a été trouvé. Merde. Oh merde, y'a des araignées partout là-dedans. Quoi? Ça va et toi? Oh putain, t'es trop fort. Je vais mettre là. J'envoie un message. J'envoie ma tête. Comme ça. Y'a aucun indice, mais je m'en bats les couilles. Y'a trouvé Valou. On va aller voir Dodge. Hé hey, Dodge. Quoi? Dis-moi où est-ce que je suis. Jamais il me trouve ici. Regardez, y'a Dodge en bas. Vous la voyez pas tellement qu'elle est bien cachée. On voit ta casquette. Il est juste à côté, il a trouvé Valou. Ouais. Cache-toi. Putain, c'est trop grand. Tu crois qu'il y a quelqu'un, un gros cachet qui est dans le coin là-bas là? Dans le coin le plus loin. Ah mais là il n'y a pas de cachette, là s'il y a quelqu'un je le vois direct, c'est désert. Kirikiki! Ça crie là-bas. Oh ça balance des indices. Ok bon, il y a quelqu'un qui a crié vers là-bas. Quoi? Quoi? T'es entendu comme moi là? Mais attends, c'était quelqu'un qui a fait ce bruit là ou c'est un animal sauvage genre? Non mais il n'y a pas d'animaux comme ça par ici. Je pense que c'est un animal. Donc il y a quelqu'un là autour de cette villa là. Mais quelqu'un a crié ici? Noni! Mais non! Dejna qui a été trouvé! Mais en vrai, t'as donné des indices, t'as crié tout donc. C'est pas... Ouais, si, c'est moi! Ah, c'est pas Dej! Laisse Inox, Bouzy et Doc! Mais mec, tellement grand! Ici, ça compte pour dehors! En vrai, ça compte pour dehors, hein. Vas-y, on va y aller! Ok, bon bah y'a rien! Ouais, tu crois y'a quelqu'un qui a fait de l'urbex? Ah, genre. Si y'a quelqu'un qui a fait de l'urbex, c'est un chien! Ah, si il a fait ça, c'est un bâtard! Ok, on ne suit pas, on verra si ça calme! Non, bah y'a personne! Oh! Oh le fils de pute, c'est Doc! Je reconnais ça! Oh bâtard! Doc, il a fait quoi? Il a fait un détron pour aller se cacher! Oh, regardez où je suis! Ouah, bâtard! T'as un Doc même pour aller se cacher dans la vraie vie, il fait des détrons. Ok, il reste Inox et Bouzy. Ils ont donné un indice sur Twitter, que dalle! Hein. Vas-y, envoie une photo, je crois. Ah si, le Bouzy, il a envoyé une photo, les gars! J'envoie ma tête, y'a aucun indice, mais je m'en bats les couilles. Ok, premier indice. On voit rien. Il a envoyé sa tête, on voit même pas un bout de paysage, on voit rien. Oh le bâtard. On va retourner dans la première partie de la villa parce que là, toute la deuxième partie, là, je l'ai faite. Vous savez pas du tout où sont Inox et Bouzy ou... Moi, j'ai fait Inox. Ok. Je m'en doutais, quelqu'un allait tenter. Mais mec, on voit des cheveux, mais je suis pas débile, on voit des cheveux dans une piscine. Mais qu'est-ce qu'il fout, la bâtard. Mais mec, c'est 200 de QI. C'est Inox, du coup. Viens trouver Inox, tag. Mais en plus t'as pris mon short. Ouais. Oh le bâtard. Mais attends, mais t'es resté dans la piscine tout le long. Mais quand je suis sortie de la villa, tu t'es mis en apnée. Ouais. Wow. Bouzy qui a gagné la deuxième partie, bah maintenant il va falloir qu'on le trouve quand même. Mais j'ai aucune idée d'où il est. Et connaissant Bouzy, il y a moyen qu'il ait touché. Un indice. Un indice, vas-y. Oh. J'ai gagné les doigts dans le... Non, il a... J'ai visité ici, non, t'as changé de cachette. Mais t'étais où à la base? À la base, j'étais là. Oh le bâtard, bah bien ouais, c'est le meilleur. Rien à dire. Attends, c'est moi, je regarde la caméra. On coupe au montage, c'est le pire check. Ok, le check du winner. Bien joué gros, il m'a bien niqué. Oh le bâtard, en fait il a pas trouvé une cachette fixe. Il a trouvé une cachette selon où j'étais. Il se tournait pour pas que je le voie. Bon bah les petits potes, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé le troisième et dernier épisode de Cache-Cache, on peut le dire. En tout cas, c'était intense, c'était... Bon bah du coup je finis sa phrase. C'était un bon. C'était très stylé. GG à Bouzy et Doc qui ont gagné. Moi je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Un maximum de pouces bleus si vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aux chaînes de tous les autres qui seront bien sûr dans la description. Je vous aime, je vous fais des gros bisous. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain live.